vient là depuis une trentaine d'années quasiment. Et donc on transforme effectivement un établissement scolaire qui tourne toute l'année et qui est encore en activité puisqu'on a des élèves là maintenant. Et on le transforme, donc on a quatre salles qui sont en alternance, hein, des salles où huit spectacles s'enchaînent pendant toute la journée. Pour nous, les responsables, on passe en quelques jours d'une équipe qui est derrière les stylos à une équipe qui est effervescente. Bah, pour nous, c'est formidable. Pour moi, c'est mon grand régal. Il y a toujours un côté surprise, surtout quand les compagnies veulent visiter la salle du préau. Quand ils visitent ça, ils se disent « Ah, on va avoir du mal à jouer ici ». Et puis après, on verra qu'on transforme ça dans une vraie salle de classe, de spectacle, pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les élèves qui ont l'habitude de cet établissement scolaire voient que ça se transforme en salle de théâtre. Et donc, du coup, on a beaucoup d'enfants qui reviennent avec leurs parents, qui ont l'habitude d'être en classe et qui rentrent dans leur classe, leur propre salle de classe, qui est tout d'un coup transformée en petit théâtre ou en gros théâtre. Et ça, c'est assez émouvant parfois. Tout le monde monte en même temps ses projecteurs, ce qui permet de négocier les positions, etc. Donc on a une grande réunion le matin et on fait un montage général avec toutes les compagnies dans chacune des salles. Donc on a 3 jours en fait pour transformer le collège en théâtre. Et comme évidemment il y avait des classes, on ne pouvait pas travailler avant. Là on est dans la partie cuisine du réfectoire. Le réfectoire devenant la salle Jacques Brel de l'espace Roseau. Alors cette partie là bien sûr le cuisinier nous l'a abandonnée gentiment et vraiment ils sont adorables. Et pourtant il y a encore des petits enfants qui mangent, qui vont manger un repas froid dans l'autre partie pour que nous puissions arriver à donner à nos compagnies le maximum de confort de répétition. Ça fait quand même 13 ans qu'on est dans cet espace, ça se passe très très bien.